Et nous sommes repartis dans XCOM 2 World of Chosen en légendaire. On va continuer notre pseudo-guide. En gros, on finit la campagne. Maintenant, c'est devenu assez facile. La musique a changé parce que j'ai mis la musique UFO. Vous allez dans les options. Je vais vous montrer vite fait. Parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Vous allez dans la bande-son. On a mis UFO défense. En fait, je me suis lancé dans les derniers DLC qui sont sortis. Le pack héritage tactique qui était gentiment donné par les développeurs si vous aviez War of the Chosen, donc du coup moi je l'ai vu gratuitement et franchement j'ai fait deux chapitres on va dire pour le moment. Il devrait être sur la chaîne, en tout cas déjà un chapitre de sûr. Je suis en train de les faire sur Twitch, ils sont extrêmement bien. Ils sont bien faits, il y a du score à faire. Bon, je suis pas trop fan de score, mais là c'est plutôt sympa. On a des soldats prédéfinis, etc. Donc ça nous pousse en fait à agir, à avoir des stratégies en fait qu'on crée nous-mêmes par rapport à ce qu'on a. Franchement, c'est super cool. Je me suis un peu... J'ai bien retrouvé l'esprit XCOM en fait. Parce que c'est vrai que là, dans notre campagne, bon, on recommence à faire un peu... Toutes les missions commencent à se ressembler. Ça devient pas facile, je dirais pas facile, mais on va dire qu'on peut plus ou moins prendre n'importe qui. Combattre plus ou moins n'importe qui, et on va s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et après bon, on a des stratégies qui reviennent souvent, donc ça se ressemble un peu. Oui, ça se ressemble un peu. Chaque mission commence à se ressembler un peu. Enfin bref. Donc voilà, je conseille ce pack de le prendre et de le faire. Plutôt cool. Donc on a vraiment plein de choses. Donc c'est parti. La dernière fois, je sais pas trop ce qu'on a fait. On a fait juste une mission normale, si je ne m'abuse. On est en train de déblayer les machines. On a le relais de puissance. Centre, ok, on est bon. Let's go. Les musiques sont cool. C'est des remakes en fait de UFO Défense. Les premiers jeux. On a plein de trucs à détruire. On a le projet Avatar qui a été réduit de 2. Je crois qu'on était encore en train de... De communiquer, non? On va établir le contact. Pourquoi ici? Ouais, parce qu'il y a un truc ici. Okay. On va établir le contact. On va continuer. On a de l'alliage, on a de l'hélérium, on a beaucoup de renseignements, on a peu de ressources. Ah oui, c'est parce qu'on avait fait les armures. Voilà, on a la war. Est-ce qu'on a besoin de s'arrêter? Ah oui, j'ai pas regardé. Je reviens deux secondes. Ah, j'ai pas regardé. Ce qu'on était en train de faire au labo. Commandant. Terrain d'essai. On est en train de faire mine cérébrale. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes? Inferno Canon. C'est pour le Spark. On n'a pas les grenades plasmiques? Tu te fous de ma gueule? Grenade expérimentale. Quoi? On n'a pas les grenades plasmiques? What? Attendez. Non, bah non, on les a pas parce qu'on utilise toutes sortes de grenades en fait. Et ouais, du coup, on les a pas en fait. C'est vrai qu'on les utilise plus vraiment. On utilise des explosifs quand on doit faire péter des choses, genre des roquettes, machin et tout ça. Ouais, on pourrait les faire. Ou alors les grenades expérimentales. J'aime bien les grenades expérimentales, moi. Là, on a automne expérimental. Ouais, on va faire les grenades plasmiques. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai besoin maintenant, mais au moins c'est fait. Ok. «
GG. Nous avons l'élu sorcier en visuel. Jeannot trouvé. Nous avons l'élu sorcier en visuel. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est juste... c'est juste une installation extraterrestre. Une installation extraterrestre qu'on peut... on peut en théorie les faire en avec un seul perso, je crois. 160 de renseignements. Est-ce que ça vaut le coup de rush ou pas? Vous avez gagné ce bonus, arme volontaire, soldat, la résistance susceptible de se rejoindre. Ah, ça c'est cool, ça c'est de la merde, ça. On peut augmenter ça, il faut 200 de ressources, on n'a pas assez. On va voir le marché vite fait. Calcul du nouveau cap du Talion. Parce qu'il faut juste poser les bombes et partir, et on peut le faire avec le... avec le... l'information de l'élu. Viseur supérieur. On peut le faire avec... comment ça s'appelle? Les escarmoucheurs, là. On n'a pas vraiment besoin d'argent. Enfin, si, on... non, on a besoin d'argent. Mais on n'a pas trop de moyens d'en récupérer pour le moment. Donc ce qu'on va faire, et vu qu'on a beaucoup de renseignements, autant s'avancer. La prise de contact... non, établissez le contact... attends. Il est où le bonus? Ah, la prise de contact avec de nouvelles régions est instantanée. Ouh, intéressant ça. Ok, on peut faire ça, on peut prendre les deux, là, comme ça on aura ce bonus. Mais bon, il restera plus grand chose. Ça c'est un peu con, ça c'est vraiment le bonus qu'il faudrait avoir près de chez nous en fait, rapidement. Quoi qu'il y a toute l'Europe quand même. Ouais, il y a toute l'Europe. Ouais, il y a l'Europe. Ouais, il y a encore pas mal. Ouais, ça pourrait aider. Ouais, on va le faire. Commandant, nos capacités de communication sont à leur maximum. Ça nous fera de l'argent, plus d'argent par mois. Nous devons améliorer notre système. Je voudrais juste faire une mission un peu simple pour me remettre dans le bain. Ah. Ah, c'est blanc, donc on perd... on gagne. Ouais. Ah oui, on a fini la mission secrète, je crois. Je suis ravi de voir que nos efforts sont récompensés. Très bien. Alors, trouver des ressources sans... pam 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 pam. Les musiques sont super cool. Les musiques de combat, elles sont beaucoup plus rock, je trouve. Je pense qu'on va faire la forteresse du temple de l'élu, de lui là. Comme ça, il nous fera plus trop chier. Au moins, on la trouve, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, c'est... j'ai un peu peur que ça... qu'on se fasse embusquer. J'aime pas vraiment faire ces missions embusquées, là. Où c'est qu'il faut courir à... il faut essayer de... il faut essayer de... un piratage. Est-ce qu'on peut mettre Gordon? Non, on peut pas, il est fatigué. Oh, c'est pas grave. Vous savez, essayez de fuir en fait. Soldat capturé. J'aime pas fuir en fait. Fei Shen. Malshin Alpha Liu. Shen. On va faire ça. Nous lançons immédiatement la mission secrète, commandant. Ah oui, aussi quand on fait les... attendez, c'est qui Shen? J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois cette personne. Non, c'est bon. Aussi quand vous faites les missions... enfin, le pack héritage. Apparemment, bon, c'est le chat qui m'a dit ça, donc je suis pas sûr. Vous débloquez en fait des armes. Les armes un peu de l'ancien temps et tout ça. En gros, vous avez des nouveaux skins et tout ça pour les armes. Et apparemment, ça va se rajouter à l'histoire, à notre histoire, même une histoire qu'on est en train de faire. Alors, je suis pas sûr que ça soit vrai, ça, mais bon, on verra.
Gremlins Mark III, tablette des données, parvenez à récupérer la tablette, contient de précieuses informations, vous pouvez récupérer des renseignements. 3 jours. On peut récupérer encore des renseignements. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Ah, site de représailles. Correctement, rampe et s'agenouille devant les anciens. Ah, on y va. Les dieux auront peut-être pitié d'eux. Ah, la musique. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais c'est... Oh la vache. Rock and roll. Tan 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 tan. Ok. Alors, on va combattre le très difficile. Il va sûrement avoir le... Putain, j'arrive. Faut que je baisse le son de mon casque, j'arrive pas à parler par-dessus la musique qui me gueule dans les oreilles. On va sûrement combattre le mec. Dans un sens, je me dis... le sorcier. Genre on met des choses pour se bloquer en fait contre les attaques psychiques et tout ça là. Genre ça, le bouclier mental. Mais si on reste loin de lui, ce con il fait que des zombies et tout. Donc c'est pas très très dur non plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on en a vraiment besoin de faire ça? Et puis on est tellement puissant maintenant. Enfin bref. Poison. C'est quoi ça? C'est pour plus de visée, c'est ça? Ouais. Ouais, ça c'est mieux. Là on a du... Ok, on a requête. Lance-flamme. Requête. Alors, explosif. Acide, poison, glace. Ça ignore. Non, c'est critique ça ou ça ignore? Je sais plus, mon dieu. Change de coup critique. Ça augmente les coups critiques. Je sais pas pourquoi on lui avait mis ça. Y avait une raison? Oui, c'est parce que elle peut tirer quand les mecs sont pas exposés. Donc en gros, elle augmente les critiques. Oui, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Lui, il faudrait lui mettre. Une munition qui ignore l'armure. Ou alors autre chose. Écran bleu. On commence à combattre des monstres. Des robots, je sais pas. Non. Je sais pas trop. Faut qu'on teste le Fulton, toujours pas testé. Katana. On a les armes. Oh, on a les armes de l'élu, ça y est. Ah, on les avait débloquées. Alors, viseur supérieur, charge améliorée, gâchette facile supérieure, crosse supérieure. Ah, c'est une arme aussi puissante que polyvalente, puis la pompe est très efficace, courte portée, mais la pression diminue concernant avec l'éloignement. Fuseur super, amélioration. Mais il a pas chance de tuer en fait, c'est ça? Dégâts 8-10. Là on a 8-10. Chance d'élimination 15%. Et là il n'y a pas en fait. Chance d'action bonus. Critique 15-10. Il est plus précis. Taille du chargeur 3 plus 4. 3 plus 4. Ouais. Honnêtement, on va le prendre, mais. Le fusil à pompe qu'on a est vraiment bien aussi. Alors là, on a 8, 9,
Ignore, armure ignorée 10. Ah oui, c'est ignore, c'est armure ignorée en fait qui marche. Ah, exact, exact. C'est ça, parce que la hache, je préfère la hache parce qu'on peut la balancer et tout ça personnellement. Mais le truc, c'est que ça ignore l'armure. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Et on peut pas esquiver les attaques du katana. On peut pas les esquiver les attaques. C'est ça, c'est pour ça qu'elle gagne en fait. Par contre, maintenant t'as de la précision en plus, donc on va te mettre autre chose. On va te mettre les griffes. Parce que t'as beaucoup de précision. Tu peux pas prendre un fusil à pompe toi? Ah, fusil magnétique improvisé, bah c'est ça les armes. Je crois qu'on les a. Pistolet électrique. Épée classique. Ouais, on les a les armes. Ah, c'est sympa. Désolé, je prends 2 minutes. Canon de soutien. Canon magnétique de soutien. 6 à 8. Attendez, là on a quoi? Champ d'action 10, rechargement gratuit. Là on a quoi? Dégâts tir manqués, taille du chargeur. Eh, on va prendre celui-là. Ça pète, je savais pas qu'on les avait. Vous avez vu que ça, on les avait pas avant. Fusil antimatériel. Là, on a lunettes avancées auto-chargeur. 6-8. Là, t'as quoi? T'as chance de coup critique et taille du chargeur. Bon, autant prendre celui-là. Il est super joli en plus. Vous allez voir le niveau 3, quand on les aura débloqués. Ils sont ultra, ultra beaux. Et les effets quand ça tire... C'est abusé. On en a une de chaque, j'ai l'impression. Fusil vecteur, vie tectonique. Temnotique, pardon. Fusil d'armement magnétique sous permis, fusil vecteur des faucheurs. Ouais, ils ont la même gueule, quoi. Ils doivent peut-être tirer différemment. Ah bon, on est obligé de garder celui-là qui est augmenté, désolé. Désolé, on prend un peu de temps, mais on y va. Ah, on y va avec ça. On a du soin, on a le jack, au pire. Quoi, est-ce qu'on a vraiment du... Non, pas vraiment besoin du jack pour le moment. On va faire un bouclier mental. C'est parti. C'est parti. Ah, il va falloir sauver des gens. Je suis pas super fan, mais bon. J'aime pas ce genre de mission. La musique est peut-être un peu trop rock, un peu trop présente. J'ai dû baisser le son un peu au max. Parce que j'avais du mal à parler par-dessus. J'ai toujours du mal à parler par-dessus. Détectons un signal de détresse intermittent et d'après nos déductions, les extraterrestres attaquent un avant-poste de la résistance. Ça se présente mal. Nous allons sécuriser la zone au plus vite. Neutraliser les contacts ennemis. C'est parti. Des élus a lancé un assaut contre un campement de la résistance dans la zone. Nos hommes font tout ce qu'ils peuvent pour contre-attaquer, mais nous devons aider à protéger les civils pris au piège dans les environs. Un groupe de soldats de la résistance est caché à proximité de votre position. Allez les aider à repousser les forces extraterrestres. Oh, c'est pas... Parce que je me disais 19, ça fait beaucoup quand même. Là on doit aller, je crois, aider plusieurs différents groupes et on va devoir faire passer des tours. Bon, par contre, on a les têtes invisibles pour créer des persos spéciaux avec les mods, mais là ils ont eu ça sur les
sur les gens, c'est moche. À vos ordres, commandant. On y va. Bon bah du coup on y va tout simplement. Oh, on a un mec en plus avec nous. Pingzhu avec un fusil plasmique. T'as 9 points de vie. C'est un mec en plus qu'on a avec nous du coup. Ça c'est sympa, ça c'est cool. I don't want to go this way. Hé, stylé. T'es pas stylé, Gordon. T'es pas heureux de ta nouvelle armure. Honnêtement, t'es pas heureux. On Overwatch. Aliens. Come out play. Ouais, le katana de... Oh, la vache. Il est mort. Presque. Le katana de l'élu en fait gagne par défaut parce que... Putain mais elle tire super vite. Parce que on peut pas louper en fait. On peut pas louper le coup du katana. Et c'est pour ça qu'il gagne. C'est pour ça que vous allez vouloir l'utiliser. C'est ça qui est un peu bête je trouve. C'est bien parce qu'avec le fusil à pompe là elle a 3 de dégâts et elle vient de toucher, vient de le tuer le truc. Alors qu'elle l'a loupé. On va voir un peu les pourcentages qu'elle a quand elle vise. On est en phase de test. Là, on a mis plus de... Comment ça s'appelle de critique. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup? À 10, 53% de critique, 100%. Ouais, on est à quoi? On est à 120, 30. Ouais, c'est pas mal. Ok. 11 à 12 de dégâts. 11 à 12, c'est pas mal. Ah du coup il est beaucoup plus mobile aussi Gordon grâce à ça, grâce au fait qu'il peut sauter directement au lieu de... Au lieu de monter les échelles et tout. Ça c'est plutôt cool. Je bouge. Vous n'irez plus nulle part. Les musiques sont super sympas. Les musiques sont méga méga sympas. Donc on va tuer les merdes. Les deux machins là. Mais on va pas trop s'avancer. Parce que je veux pas qu'on se fasse repérer par le truc derrière. Lui, il lui faudrait une armure avec le grappin. Lui, il lui faut absolument ça. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Je fais en sorte que Lupo reste en... Ouais, je...
je pense pas que ça va le marcher. Implacable. Je voulais qu'elle reste en vigilance en fait. Vous savez qu'elle, elle peut tirer plusieurs fois, c'est pour ça. On va voir. C'est pour que elle le défonce en fait. Ah oui, c'est vrai que lui se déplace. Par contre, il se fait toucher par le... par la crosse. Intéressant. Il se fait toucher par la crosse. C'est bon à savoir. Putain, ils sont défoncés par les... 100%. Ah ouais, mais là, il est à revers. Ah ouais. Non, non, c'est bon. Mais ils se font massacrer, les trucs. Je vais où vous voulez. J'ai marqué la cible. Ah, il y a lui, là. Est-ce qu'elle peut le finir 4-5 à la 60% de crit? Vous voyez, le tir est joli. Ça, c'est fait. Faudrait bouger lui. Est-ce que... elle, on... run and gun et on se met à côté de lui. Peut-être. Est-ce qu'on a autre chose? Toi t'as pluie de balles, tir enchaîné, suppression. On va se mettre là. Parce que j'ai peur qu'il y ait des mecs à gauche. Ah, pluie de balles, tu peux pas. On peut toujours utiliser le saut d'Icar pour se mettre à côté. Bon, allez, on va le faire. On est motivé. Ça va faire mal. On a tiré rapide. Oh. Les résistants sont en sécurité. Bah voilà. Ils vont pouvoir aider les autres survivants. Un important groupe de civils est pris au piège à portée de votre position. D'après nos informations, des forces ennemies seront très bientôt sur place. Ah, maintenant ils vont tous sur eux. Les rejoindre avant que les extraterrestres ne fassent un massacre. Ça marche. Let's do this. I'm trusting you here. Man, good thing I've watched Die Hard. Die Hard like 20 times. Otherwise, 50 times. Pardon. Where am I going? Move the Overwatch. Voilà. Il faut mettre Lupo en vigilance proche. Il n'y a personne pour le moment, ils sont pas encore arrivés. Elena! Je vais où on a besoin de moi. Elena, trouve-nous les marques. Les marques? Trouve-nous les. Trouve-nous les proies. Peut-être un peu plus. Ma vie est en train logique de dire ça. Pour l'instant, il n'y a personne. Spectre, il va peut-être rester là pour le moment.
Parce qu'encore une fois, il faut, faut vraiment qu'on débloque le... cette saloperie de... de grappin. Il faut qu'on lui mette, une armure pour ça. Vous savez, maintenant il passe. Il passe par-dessus les trucs et tout, c'est énorme. Parce que là on pourrait passer d'un bâtiment à l'autre avec Spectre en fait. Ah, on peut. Je vais voir comment ça, ça marche. Yes, c'est énorme. Oh, c'est, ça tue. Ça tue. Bah du coup, on avance. Ah, c'est cool. Super, ce filtre. C'est super sultan. Ah, parce qu'il y a ça dans une mission. On n'en a pas eu des missions comme ça encore, je crois. Ah, il y a un mouton. Un berserker. Je crois que dans le premier jeu, c'était pas les... Ça s'appelait pas mouton? Mouton? Ou c'est la version anglaise, je sais pas. C'est toujours appelé berserker. Il ne sert à rien de vous cacher. On a quoi, 3. Et un gros. ...85%. Mais ils ont des putains de précisions de ouf. Je crois qu'il y a... Oui, j'en avais parlé, ça. Il y a un mode pour baisser leur précision parce qu'ils sont quand même un peu abusés, ceux de la résistance. Ils sont légèrement abusés. Où est-ce qu'il attaque? Oh putain, il attaque un autre groupe et tout, quoi. C'est abusé. La mission va être extrêmement simple, je crois. Parce que plus on sauve aussi, plus on sauve de gens. Genre si personne meurt, genre les soldats là, qui, du premier groupe ne meurent pas, ils vont au deuxième. Donc ça va s'additionner avec les soldats du deuxième groupe, etc. etc. Donc au final, vous avez vu, on est au moins 20. On est 20 contre les aliens, ça va. Je me demande comment on a perdu la guerre. Bon, du coup, on a ce groupe-là qui est activé, mais pas lui à droite, donc faut s'occuper de ce groupe-là. On a une clé mort. Par contre, ouais, on est très très mal positionné. Hein. On est très en retard, en fait. On pourrait faire péter ces trucs-là, comme ça on n'en parle plus, non? Je 8 de dégâts, et on balance la grenade. Comme ça c'est fait. Fais voir ça. Là y'a quoi? Là y'a rien, là y'a rien. Okay, rien. Voilà. Voilà, comme ça, on... les cadavres. Je lis cadavre et je dis cadavre. Qu'est-ce que j'ai, moi? Comme ça, les chrysalis, on n'en parle plus. T'es trop loin ou pas? Non. Ah, si. On a du 10. On va lui baisser un peu les HP encore. Pah, il brûle et tout. T'as plus qu'un HP le truc. Bon bah c'est bon. Ça va? Non? On a un peu plus de confiance parce que franchement... D'avoir... Je pense que ça me manquait, ça. D'avoir rejoué...
Attends, on est bien au bord. Ah, okay. D'avoir rejoué à... Enfin, d'avoir fait les DLC, là. Et... D'avoir joué des personnages forcés où il faut créer ses propres tactiques parce qu'on a des personnages qu'on n'a pas avancé nous-mêmes, donc ils ont certaines armes, ils ont certaines habilités et on est obligé de combattre et de se débrouiller avec ces habilités-là. Franchement, ça change énormément et ça vous rend beaucoup plus confident. Ah, elle va peut-être retirer là, ce serait bien. Protecteur. Voilà. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Ils vont se mettre à côté, c'est cool. Ouais. Ah, on a deux groupes. Ah merde, il y a Elena qui est à côté par contre. J'espère qu'ils vont pas passer trop à côté d'elle. Après maintenant ça va être au tour de... Ah, ils l'ont contourné, non? Merde, elle a été contournée, ouais. Il est temps de nous battre à découvert. C'est pas grave, grave, elle peut encore se remettre. Mais là, le mouton, il va mourir. Le mouton, putain. Le berserker, il va mourir. Ouais, ils sont en train de nous voler notre expérience. Il y a que les deux à droite qu'il faut s'occuper, vraiment. Il y a des habilités que j'ai jamais utilisées dans le jeu, je crois, depuis que je l'ai. Genre 500 heures de don, j'ai des habilités que j'ai jamais touchées. J'ai dû les utiliser, on a dû faire fonctionner l'équipe et tout dans le pack héritage, c'était vraiment cool. C'était vraiment vraiment sympa. Alors, on a Rocket, je serais d'avis pour moi de faire péter... Est-ce qu'on touche les deux? Ce serait bien de toucher les deux. Yes, on peut toucher les deux. On leur baisse les HP le plus possible. Et après, on y va avec elle, avec Assassin. Ah merde, Assassin, ça marche pour le fusil à pompe. Ah oui, non, c'est Faucheur, l'habilité. Faudrait aller où? Faudrait aller proche d'eux, en fait, du coup. Ouais. Non, on va voir, on va voir. On va bricoler un truc. Alors, bannissement. On va en tuer un déjà. Ah, ça, il est... C'est bon, il est mort. Normalement, elle devrait le tuer. Très très bien. J'ai pas touché la chair. Vu qu'elle est visible pour le moment, autant faire le bannissement. Vous voyez ce que je veux dire? Autant faire le bannissement. Donc l'autre, il brûle. On est bien d'accord, il brûle. Yes. Donc il va mourir. Alors, mesdames, messieurs... Mesdames, messieurs... On va s'avancer un peu. On a du toxique ou on a de l'explosif? On va déjà faire péter, comme ça on va un peu rendre la visibilité un peu mieux, hein. Comme ça c'est fait. Voilà, on a une meilleure visibilité maintenant. Comme je dis. Alors
Alors, on en a un qui est complètement exposé. Alors, fais voir, t'as 88% de mettre un crit. Ouais, putain, ça fait mal. Ça fait mal. On peut même te mettre là. Par contre, tu vois toujours pas l'autre. Y'a aucun moyen. Ah, mais on le voit pas du tout en fait. D'accord, on a pas, y'a personne qui a vu dessus, c'est pour ça. Ok, ça marche. Ah, ça sent. Ah, là, tu vas le tuer là. Mettre là. Ok. Et on peut encore se déplacer. On a 100%, 92, 81. 12 à 15, il a 19 points de vie. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On s'en fout. On s'en bat les... On s'en bat les couilles. Ça, c'est pas puissant du tout, c'est bien. Oh, hold on. Let me reload. Let's move already. On est bon. I'm ready. Scanning. Affirmative, covering now. On a tué tout le monde et ça doit être fini. Ouais, c'est fini, je crois. Ah non. Je me disais, ça fait quand même beaucoup de civils là, mais bon. C'est pas grave. Ouais, 12. 12, ils risquent de mourir par les soldats. Parce qu'ils ont énormément de précision. Ouais, ils vont mourir par les soldats. Sauf s'ils sont un peu trop éloignés, parce qu'il y en a qui s'éloignent un peu, mais il y en a au moins 4, 5, je crois. Menace. Oh la vache! Sécuriser les derniers civils, et nous ne captons plus aucune présence ennemie dans la zone. Très beau travail. Et ça, c'était très difficile, tu te fous de moi? Sérieux? Notre ennemi persiste à hanter les ténèbres. Mettant tout en œuvre pour détruire tout ce que nous avons construit. Il veut nous ramener au chaos de l'ancien monde. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons le repousser. Unis dans l'amour que nous portent les anciens, nous vaincrons, coûte que coûte. Bon voilà. C'était pas très très dur. Rien de mieux pour le moral des troupes qu'une pile de cadavres extraterrestres. On a fait du beau travail. Faut voir les cadavres de Chrysalis. C'est un travail remarquable que vous. Le 57, os de rêverie. Résistance, commandant. Soldats secoués. Arrêtez. Ça, c'était pas traumatisant quand même. Ils sont juste fatigués en fait. Alors. Lui, on l'avait dit qu'on faisait un mix de pistolets, c'est ça? Parce que j'en sais rien en fait. Les attaques de votre arme, fusion d'unité industrielle, détecteur. Chaque tir de vigilance réussit. Ah oui, lui, on en faisait un tout en fait. On va prendre confrontation, je préfère. Ah, ça y est, elle est au max, elle. Alors, vision commune. Vision commune, ça, c'est cool, ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait ça. C'est pas mal. Alors. Mine guidée. Attache une mine clémore à un ennemi sans qu'il s'en aperçoive. La mine éclora dès qu'il subira des dégâts. Ça, c'est vachement cool. Bah, c'est vachement cool. Annihilation. Lorsque vous tuez un ennemi avec bannissement, vous continuez de tirer sur un autre ennemi jusqu'à ce que vous soyez à court de munitions. Alors, ça, si je me gourre pas... Ça va se traduire par... par si on tue un groupe entier d'ennemis, elle se fait pas voir.
je crois. Je crois. A une chance individuelle de toucher la cible. Bannissement ne peut être acté qu'une seule fois par mission. Équilibrer votre fusil vecteur dans le champ pour augmenter la cible de bannissement. Vous devez avoir une mission. Parce que là, ça dit que. Bon. Attendez. Hop. Là, ça dit qu'elle se fait repérer directement. Mais je crois qu'avec Annihilation, si le groupe d'ennemis meurt, c'est fini. Mais bon, faudra le tester. Mais j'ai bien envie de faire la mine guidée en fait. Moi. Ou la vie. Franchement, la vision commune aussi, ça aiderait. Ouais, j'ai bien envie de faire la mine guidée. Coup 14, soldat 7, 8. Une voie de priorité sans la quitter. Non. Le tir inflige un point de dégâts de plus si la cible a été blessée pendant le même tour. Pendant le même tour. Ah oui, elle finit les cibles. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais, on a qu'à mettre ça. Parce que elle, on l'utilise surtout pour finir les cibles. Parce que vu qu'elle est tout le temps d'un bon côté des cibles, du bon côté, genre, vous savez, elle se met à revers et tout ça parce qu'elle est invisible. Donc autant lui mettre ça. On aurait dû lui mettre ça de base, mais bon, on avait d'autres choses à faire aussi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'était rapide, la mission, franchement, c'était pas dur du tout. Voilà, on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas, allez jouer et allez essayer ce pack héritage. Vraiment, vraiment cool. Et dites-moi si vous aimez les musiques. Je vais les laisser pendant quelques épisodes, puis après je les changerai au fur... Je sais pas, on verra. On verra par rapport à mon humeur. À la prochaine, salut. Ciao, ciao.